Et salut tout le monde, c'est Shido. On se retrouve enfin pour un nouveau Let's Play sur la chaîne. Tout simplement sur Scanner Spyro's Aventure. On revient aux bases d'une de mes licences de cœur. Depuis maintenant plus de 10 ans, Scanner Spyro's Aventure. Voilà, enfin je peux vous proposer sur la chaîne du Spyro's Aventure grâce à une bonne connaissance sur YouTube qui m'a un peu référencé sur un boîtier d'acquisition pas très cher et voilà qui fait le taf pour ce que je veux en faire sur la chaîne actuellement. C'est un très grand plaisir quand même de pouvoir vous faire du Spyro's Aventure étant donné que de base j'étais bloqué sur les 4 derniers Scanners, donc Sword Force, Imaginators, un de Sword Force à Imaginators. Je pouvais pas vous faire le Spyro's Aventure et le Giant étant donné que je passais par ma version Xbox One en streamant Twitch, et malheureusement sur Xbox One, j'avais que ça et on n'avait que les 4 derniers Scanners. Mais là, grâce à ça, je peux enfin faire le Spyro's Aventure. Donc, on ne perd pas plus de temps pour Scanner Spyro's Aventure. Voilà, on nous dit que ça il a une fonction de sauvegarde. Ok, ça on sait très bien. Qu'est-ce qu'on va faire pour ce petit let's play sur Spyro's Aventure? Déjà, nous allons tout simplement faire le jeu de base. Je ne pense pas faire du 100%. Voilà, ce n'est pas quelque chose que je vais faire. Faire les trophées. Voilà. En tout cas, Spyro's Aventure, c'est parti. Commencer une nouvelle aventure. Et on choisit l'emplacement vide. Voilà. Enregistrement court. N'éteignez pas votre console. Et c'est parti, Bonjour, je vous laisse avec la maître du cinématique. portail. Je t'attendais. Je suis Éon, ton guide dans ce monde. Mais tu dois te demander où tu es. Tu es au Skyland, monde de merveilles et de mystères. Depuis des générations, les maîtres du portail et les Skylanders maintiennent la paix et l'harmonie du monde, assurant la prospérité de tous. La magie est en toute chose ici, dans chaque pierre, chaque arbre, chaque animal. Mais notre monde est en grand danger. Les ténèbres se répandent. Les Skylands ont besoin de toi. Une grande aventure t'attend, jeune maître. Mon assistant Hugo va te rejoindre. Nous reparlerons ensemble. Et Oh, regarde donc partir ces ballons, aussi. on n'aura aucun mal à se faire une place. Ils ne s'en vont pas, ils évacuent. Il y a Alors, quelque chose chapitre qui 1, du coup, les cloche. îles brisées. Oh, ça explique les rochers volants. Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait du Tu es sûr que c'est une Spyro's, bonne idée? ça fait vraiment très plaisir. Continue, Flynn, par le haut, je te retrouve de l'autre côté de la ville. Très bien. Ok, très Bonne bien. chance, Hugo. Allez, go. Les îles brisées. Maître Éon a dit que l'aide était en route et d'attendre ici. Eh bien, le on va pas tarder explose, trop à invoquer le premier Scanners, qui sera du coup un classique. C'est l'heure, maître du portail. C'est le maître du portail. Et nous invoquons Spyro. Voilà, le premier Scanners qui, je pense, a été le premier pour beaucoup de gens qui ont joué à Scanners. En tout cas, le premier à invoquer. Maître Éon a dit que tu serais là, qu'il avait trouvé un nouveau maître du portail. Il faudra que je trouve une solution parce que moi, du coup, j'ai pas le retour de son forcément sur cette premier épisode. Je pense que j'irai. Je sais pas s'il y a moyen quand même de récupérer le son. On verra. Donc nous voilà enfin sur Scanner Spyro's Aventure. Le jeu, je trouve que pour un cas 10 ans, il est plutôt bon. Voilà. Bien entendu, vous entendrez peut-être les touches de ma manette quand j'appuierai. Ça, malheureusement, je peux pas trop faire. Donc c'est parti. Voilà.
on esquive le rocher qui brise. Bon. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Pas grand chose. Après, le premier niveau, il passe si long que ça. Je pense que d'ici un cadre, on l'aura terminé. Mais bon, au moins, on peut s'avancer bonjour, tranquillement. Jeune maître. Je suis Eon. Okay, voilà. Ouais. On va parler. Ah, c'est Nicholas. Si je me trompe pas. Vous croyez que tout le Skylander était parti? C'est chouette de te voir ici. La route principale est détruite et les villageois sont enfermés. C'est très dangereux. Abattre ce mur pourrait aider. Peut-être avec ce vieux canon. En vrai, ça va, même si j'ai pas éventuellement le son en retour, je suis à peu près de l'expression des personnages, ou un des plus importants. Voilà. Alors, je sais pas s'il faut. Voilà, c'est sur la version Wii qu'il fallait essentiellement ouvrir le portail avant de tirer une nouvelle fois avec le canon. Hey, t'es un Skylander, hein? Je savais pas qu'il en restait ici. On a besoin de ton aide. Tu veux prendre la clé ou sortir de là? Voilà, il y a quand même quelques répliques que je me souviens quand même. C'est plutôt pas mal. Ouais, de Suna ici, il y avait un plus. Hop, on passe les villageois. Et on va ouvrir le premier coffre. Alors, bien entendu, il n'y aura pas non plus de mise à. Oh, bon, ça, c'est un des problèmes qu'on avait avec les premiers jeux. C'est soit l'or, elle tombait dans le vide, soit elle se retrouvait bloquée sur les éléments de décor. Ça, c'est pas cool. Hop. Pour avoir la clé, on récupère le trésor légendaire. Le petit cochon. C'est un peu bloqué ça. Voilà, plus 50 en or. Est-ce que ça change quelque chose? Je ne pense pas pour Spyro. On récupère la clé. On Skylander a besoin d'une continue. Clé pour ouvrir. Voilà. Et tout se passe bien au niveau du rendu. Ça, c'est pas mal. Quel bonheur que Skylander soit ici. J'espère que vous êtes nombreux. En fait, vu que j'ai vraiment pas le son, j'ai tellement envie de faire les voix par-dessus. C'est vraiment incroyable. Un peu comme Pokémon. Mais bon, vous avez quand même le son. Ce qui fait que. Bon, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que le fait que je parle pas. Que je parle au-dessus des paroles des personnages vous, ne vous gêne pas dans la vidéo. Sinon, pareil, hein, dites en commentaire. Tu es un Skylander, n'est-ce pas? Heureusement que tu es là. J'ai un gros cerveau, mais guère de muscles. J'ai besoin d'un puissant héros pour m'aider à déplacer cette tortue. Ok, laisse faire le scanner, ce héros. Il a plus de muscles que toi, mais au moins ça pousse. Ah, franchement, c'est un pur plaisir de refaire du premier scanner. Hop, là, on pousse la tortue. Un max parce qu'on va en avoir besoin pour passer. Hey, là. J'ai encore parlé au-dessus des bois, c'est chanceux. M'appelle Flynn. Hugo m'a dit de t'attendre. Tu arrives juste à temps. Je sais ce qui fait trembler cette île. Viens, je vais te montrer. Utilise ces plots de rebond. Ils ont du ressort. Les petits plots de rebond. Mais avant, on a quelque chose à faire par là, un truc que beaucoup d'entre nous n'avaient pas découvert tout de suite, le petit passage sur le côté pour la porte élémentaire de la magie. Voilà, bon, c'est assez simple. Les énigmes de Skylanders, voilà, on récupère le premier chapeau de Skylanders, le casque de viking, et bien entendu je ne porte pas de casque sur mes Skylanders. Voilà, et bien sûr la première jeune dame de Skylanders, Chop Chop. Donc pour débloquer son gros pouvoir, le pouvoir de la jeune, qui est plutôt assez sympa celui-ci. On va pas spécialement voir Chop Chop parce que vous le verrez je pense dans les prochains épisodes. De toute façon, on va essayer de jouer les 32 de base que je possède, plus éventuellement quelques hors-série comme le Dark Spyro et les 4 légendaries. Voilà, on récupère la tablette. Si
la taille et la forme de ces mécanismes. Je vous laisserai faire pause pour la lire. Moi, à peu près, je la connais, puis c'est pas forcément le plus intéressant pour ici. Et on rejoint Flynn. Tu vois cette tornade ? C'est du lourd ! Mais j'ai une idée. Ce qu'on va faire, c'est... Okay. Grosse tornade à l'horizon. C'est beau, c'est le pouvoir plus qu'on se prenait le rocher comme ça. Maintenant, ça doit remonter à peut-être un peu plus d'un an. Je sais pas, refait Spyro's Adventure. De justesse. De justesse. Bon, tu pars devant, je fais le tour et je te retrouve là-bas. Tout à l'heure. Ok. Bon, bien sûr, les premiers ennemis qu'on va affronter. Te revoilà, souhait. Je m'enfuirais volontiers devant la tornade, mais. Monstres délimitent toujours leur territoire en plaçant des portes. Sans compter ces méchantes petites bestioles, les champis affamés. Je préfère de loin être en sûreté que sous les crocs d'un champi comme toi en ce moment. Ok. Mais bon, c'est pas le plus compliqué. Hein. Les portes s'ouvriront dès que les monstres auront été battus. Ont été battus. Il te suffit donc de te débarrasser des choupis et tout ira bien. Allez, bonne chance. Le Burz. Le Chompi. La créature la plus puissante des squelettes. Non, je déconne. Ça se crame comme du chipin. Est-ce que. Ah oui, j'ai déjà la rasmote. Oh, ah oui, mince. J'étais bloqué par les boss. Alors, juste. Je perds pas trop de temps non plus. Voilà. C'est bien de faire mémuse avec les champis, mais bon. On profite des capacités de vol de Spyro pour pouvoir aller chercher le coffre tout de suite. Et on va pouvoir découvrir deux autres personnages. Ah, je mets une pièce. Pour les portes élémentaires de l'eau et de la tech. Bon, bien sûr, on va le petit speech de Bobbers. Qui nous dit, ce sont des portes élémentaires. Bon voilà. Après je vous ai déjà un peu montré avec la celle de la magie. On peut passer. Alors du coup, pour le personnage de l'eau, et non, ce n'est pas Gilcrane, mais One Shell que je prends pour ce premier épisode. Bon, en vrai, là c'est tout pour ouvrir les portes. Pardon, excusez-moi. Alors, hop, on peut récupérer tout ceci. Je me rappelle un peu comment il fonctionne One Chest. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas utilisé. C'est ça le problème quand t'as presque tous les Skanders. T'as plus forcément le temps de tous les jouer. J'aurais pu. Ouais, mais là, si je pourrais récupérer quelques pièces. Non. Ah, je suis bête. Je suis bête. Bon, dommage, on aura vu que One Shell rapidement, mais vous inquiétez pas. On pourra le retrouver très vite. Et pour les Montec, eh ben, on a le petit Trigger Happy. Alors, étant donné que c'était pas le mien de base, au niveau des chapeaux. Hop, s'il te plaît, pas de chapeau. Ok, bon, on va pouvoir ouvrir la porte de la tech. Et on peut passer. Hop, on esquive l'hélice. Ici, c'est pareil. Hop. Et on peut récupérer le troisième chapeau. Du niveau, à savoir l'enclume. Donc pareil, c'est vrai que je vous ai pas forcément parlé de ça au niveau, bah pareil sur une vidéo. Bon, comme vous savez, je suis plutôt dans l'optique que je peux faire les vidéos quand j'ai le temps.
Malheureusement, je n'ai pas une périodicité entre les épisodes, donc il se peut que le deuxième épisode sorte peut-être dans une semaine, peut-être, on verra. La tornade, attends, par le genou de Hobson, le palais royal Mabou a disparu et... Oh non, regarde, la famille royale est piégée. Tu dois la sauver. Ok, donc ce que je disais, c'est que au niveau des sorties de vidéos, bah, c'est pas forcément périodique, on va dire. C'est plutôt dans l'optique quand j'ai le temps vraiment de faire une vidéo, comme par exemple là, j'ai l'occasion de faire des petites vidéos quand même. On fera, à mon avis, les deux premiers niveaux pour dire quand même d'avoir une bonne vidéo, mais on fera quand même la suite quand j'aurai le temps. Donc, me demandez pas forcément si quand le prochain épisode. Bah, je peux vous dire quand il sera prêt à être filmé et tout. Il sera filmé, prêt à poster. Mais j'aurai pas forcément la date précise du prochain épisode. Tout dépendra de mon mettre en ligne. Surtout que je suis en décalé avec le boulot. Maintenant, hop. Et puis surtout, c'est que. Bah. Il y aura éventuellement d'autres jeux que je voudrais faire en vidéo. Mais bon, ça, c'est notre histoire. Donc on a terminé pour ce premier niveau. Je profite pour aller chercher les prochains scanners parce que je pense que j'en avoir besoin d'autres. Donc voilà, à tout de suite. Je vous laisse avec la cinématique. Ce n'est que le commencement. Il paraît que les Skylands sont submergés par les catastrophes. Et il y en aura une de plus si on ne file pas. Cette tornade est juste au-dessus de nous. Oh, en effet, faut se mettre à l'abri. Je vais tout expliquer en route. Aussi loin que l'on se souvienne, les Skylands ont toujours été protégés par les êtres les plus sages et les plus puissants, les maîtres du portail. Et Maître Aeon a été le plus grand d'entre eux. Les Skylanders et lui ont protégé le cœur de lumière. Depuis des siècles, le cœur de lumière a permis au monde de prospérer en gardant les ténèbres, la force du mal à distance. Mais Aeon était le dernier des maîtres du portail. Affaibli par l'âge, il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que les ténèbres ne reviennent. Maître Aeon, ces nuages, c'est mauvais signe. As-tu jamais vu des nuages noirs, inquiétants et sombres qui soient de bon augure, Hugo? Va à ton poste, Hugo. Skylander, les ténèbres approchent. Préparez-vous au combat. C'est moi, Chaos. Longtemps j'ai attendu le jour où je prendrai ma revanche. Vous serez bientôt tous à genoux devant moi. Chaos. De Chaos. Chaos. J'aurais dû m'en douter. Et qu'est-il arrivé à ta tête? Elle est ridicule. Quoi? J'avais bien dit que la tête ne faisait pas assez peur. Silence, Glumshanks! Tu me gâches ma mauvaise humeur! Il suffit! Vous pensiez m'avoir banni dans les Outlaws! Quoi, Chaos? Je suis de retour pour détruire le cœur de lumière et régner en empereur sur les Skylands. Et tu es si vieux et si faible que tu ne peux rien y faire! Je te l'ai déjà dit, Chaos. Ni toi ni les ténèbres n'avaient de pouvoir ici. Ah, vraiment?
C'est ce que nous verrons. Skylander! C'est cassé une fois ici, hein. Perdons. On pourrait peut-être passer au plan B. Non, Blum Shanks, j'ai une bien meilleure idée. Lancez le plan Z. Ah, le cœur. Non. Capote. Ses meilleurs protecteurs. Mais leur histoire ne s'arrête pas là. Alors que les Skylanders étaient attirés de plus en plus loin de la base des Skylanders, ils commençaient à te tisser jusqu'à parvenir sur ton monde, attendant que tu les retrouves. Et c'est comme ça qu'on a pu récupérer du coup les Skylanders. En tout cas dans la partie tais-toi, c'est magique. Parce que sinon, on sait tous bien que pour avoir Skylanders à l'époque, t'allais dans le clair ton carrefour, rayon jeu vidéo, t'avais une étagère de Skylanders neuf, t'en payais un 10 balles, puis voilà. Mais bon, chut, c'est un secret. Grâce au portail, on est revenu en un seul morceau. Merci le portail. Le cœur de lumière a été détruit, les Skylanders sont en danger. Je suis sûr que cette tornade n'est pas un accident. C'est Chaos qui est derrière tout ça. Chaos. Oh, je déteste ce type. Si tu t'en prends à Chaos, tu peux compter sur moi. Content de l'entendre, Flynn. Kali veut aider également. Kali ? Oh, j'ai entendu parler d'elle. C'était intéressant. Si elle en est, tu peux me compter dans tes rangs. Deux fois. Splendide! Quand il sera temps, va avec Flynn au pâturage périlleux. Je vais préparer le décollage du ballon. Et si tu rapportes encore un de ces moutons, je ne te le pardonnerai jamais! Alors, c'est déjà... Ah non, non, je rigole. On va faire au moins le chapitre 2 dans ce premier épisode. Pour dire d'avoir peut-être 45 minutes de vidéo. Du coup, j'ai un peu regardé. Bah, je pense qu'on va continuer avec les Skylanders de base. Bon, on fera la visite du hub plus tard. Je pense que beaucoup le connaissent. On aura le temps de le découvrir par la suite. Au fur et à mesure de nos aventures. On ouais, peut parler à Flynn. Kali sera enchanté de me rencontrer. Et on va pouvoir aller sauver Kali. Grand... Sky machin. Eh bien oui, c'est parti. Ouais. Cette Kali me mangera dans la main dans la minute. Et qui peut lui en vouloir? Regarde-moi. Boum. Flynn le gros charreau. Tu as vu comment j'ai fait ça? Il faut des années d'entraînement et du talent. Incroyable. Il est incroyable ce Flynn. C'est pour ça qu'on aime bien Flynn. Bon, ça dépend des moments, mais bon. Voilà, donc les pâturages périlleux. Avec beaucoup de moutons.
Voilà, chapitre 2, Pâturage vers You. Qu'il faut qu'on trouve cette Kali rapidement. On ne peut pas priver cette demoiselle plus longtemps de ma présence. Je pars en reconnaissance là-haut. Ok, et bien sûr, c'est nous qui allons taper tout le boulot au sol. Merci Flynn, le support. Donc, on est parti pour les pâturages périlleux. Avec ces magnifiques tournesols. Qui sont vraiment très beaux en fait. Voilà. Hop, le petit message de Eon pour nous dire que. Ouais, super, les scanners de ton élément sont plus forts ici. Et je crois bien qu'on est tombé sur le bon élément parce que c'est l'élément tech. Voilà, l'élément tech. Alors, hop. On récupère un peu tout le tralala. On récupère l'or, ça peut toujours servir pour un personnage. Et on peut passer à la porte élémentaire. Donc celle de la tech. Bon, bien entendu, il y a un peu tout des trésors à récupérer. Ça change pas des dernières portes qu'on a fait. Wow. Je sais pas où ce que j'ai décollé, mais j'ai décollé. Alors, j'ai juste voir un truc. À quel niveau je suis au niveau des... Oh. Oh putain, j'ai plus l'habitude de... Oh punaise, j'ai plus l'habitude de jouer avec... Oh non! Attends, j'ai vraiment pas du tout les ennemis? Ah non, je disais bien qu'il m'en manquait un. Par contre, j'ai fait tomber... Je crois que c'est un morceau de gâteau, c'est un fromage. Oh, je m'en rappelle même plus. j'ai vu la chose glisser, mais... Attends, c'était quoi? Dans le vide. Et là, il est pas là. Punaise, il est tombé. Bon bah, ça glisse. Ok, bon bah, continuons. On continue notre aventure. Hop, les moutons. Bouh, saute mouton. En bas, je sais plus ce qu'il y a. Ah, si. Oh, d'accord. Ah. Alors je crois que je peux écraser les moutons. À un moment, si j'arrive à le viser. Voilà, c'est ça, je peux écraser les moutons. Et c'est vraiment pas mal avec les moutons, c'est selon le scanner, si on attaque. Soit on le brûle, on le crame, on l'étrise, on le mouille. Après avec quoi? Je me rappelle plus trop. Je sais qu'à un moment, je crois que c'est double trompe qui permet de changer la couleur de la laine du mouton. Oh. Attends, tu permets. Voilà, si. Ouais, c'est double trou qui permet de changer la couleur de la laine du mouton. Bon, voilà, il y aura quelques petits effets à découvrir. Et on a le premier coffre du niveau. On essaiera de tout récupérer avant que quelque chose ne tombe ou soit bloqué. Je ne sais où. Dans le milieu. dans le niveau, pardon, excusez-moi. Et on arrive au premier chemin. Voilà. Bon, ça c'est... Normal, je dirais. Chapeau cowboy. À la limite, le chapeau cowboy, c'est peut-être l'un des chapeaux que je voudrais bien porter. Mais bon. On essaie de pas en mettre. Alors, première chaîne d'âme, Stuff Smash. Pareil, c'est un scandale que vous verrez plus tard dans le niveau. Alors pour ceux qui me demandent aussi, je vous en parle juste après, mais je ne pense pas refaire de niveau pour le trésor légendaire. Je le ferai peut-être en off. Mais bon, vu que je vous ai dit c'est pas forcément le 100% que je recherche dans ce let's play, bah forcément, peut-être que je le ferai en off pour dire de le faire, mais sinon, voilà. On se satisfera du niveau à faire ça. Bon, bon d'accord, c'est plus grand chose. En tout cas, vraiment, je trouve que le jeu, bon, certes, est sorti en 2011, mais en vrai, je le trouve vraiment très joli.
Voilà, c'est un peu le truc que j'ai remarqué, c'est que, en fait, les premiers jeux Skylanders, en tout cas c'est les consoles de base, sont plus jolis que ceux qui sont sortis par la suite. Alors c'est peut-être dû parce qu'au fait que les consoles Next Gen étaient sorties après, donc à l'époque c'était Xbox One PS4, parce que du coup j'ai quand même testé, bien entendu, bah, les 6 jeux sur 360 par exemple. Mais j'ai vite remarqué que, bah, soit force créative, ça a commencé à se voir, mais en vrai, personnellement, en tout cas pour les premiers jeux que j'ai fait, ma plateforme de prédilection pour jouer, c'est bien la 360. Après, la PS3, c'est pareil, elle fait tout à fait aussi, hein. Mais je sais pas, je préfère vraiment la 360, peut-être plus au niveau des détails, parce que quand j'ai comparé, voilà, j'ai allumé en même temps PS3. 360 au même niveau dans le même histoire de Jane par exemple, donc le Skylanders 2, bah, j'ai remarqué que la version 360 était un peu plus jolie quand même, il y avait plus de détails au niveau des décors, mais bon après c'est kiff, hein. Voilà, à l'époque on jouait à Skylanders, c'était pas plus pour les détails que ça, mais bon c'était quand même à noter. Après bon voilà, après c'est chacun ses préférences, hein. Je dirais qu'il y en a qui préfèrent jouer sur PS3 dû au fait que les portails, bah, c'est compatible entre la version Wii et bah, entre la version Nintendo et PlayStation, alors que Xbox, bah, il faut des portails dédiés, et encore, quand c'est 360 Xbox One, c'est pas encore le même type de portail, donc il faut absolument tel type de portail. Alors du coup, ouais, voilà ce que je disais, c'est que en fait, il faut un scanner de la vie pour passer ici, invoquer le pont en liane pour pouvoir aller chercher le trésor légendaire, la bombe. Le seul problème, c'est que il faut refaire le niveau parce que sinon on va louper la porte élémentaire de la vie qui se trouve de la vie de l'eau, pardon, excusez-moi, qui se trouve juste en bas et quelques petits trucs en plus. Mais bon, voilà. Peut-être que je le ferai juste après. On va le relancer le jeu en mode rapide. Voilà. Alors, du coup, on va pouvoir invoquer le Skylanders de l'eau, donc qu'on a vu tout à l'heure, à savoir One Shell. Ah, ça, c'est bien aussi le truc que j'ai apprécié vraiment sur les premiers jeux Skylanders, c'est que au niveau de la réactivité du portail pour les Skylanders, ça prend pas 3 plombes. Tu poses le portail, en 2 secondes le personnage est invoqué. Et ça franchement, je trouve ça super cool. Alors que dans les derniers, bon, il y a toujours un petit laps de temps tant que ça charge. Ensuite, temps de faire l'animation d'invocation. Limite le. Ouais. Vraiment les plus longs. Soul Force, c'est peut-être un peu long, mais ça va encore. Trap Team, je pense que ça doit être Trap Team l'animation la plus longue. Après, le truc, c'est que par exemple, sur Superchargeur, bon, je fais le tour alors que je fais pas le défi. Sur Superchargeur, par exemple, le problème, ce qui est fait, c'est que première fois que tu invoques, bah, tu es obligé d'invoquer véhicule plus personnage. Donc là, on peut considérer que c'est peut-être le plus long, vraiment. Mais quand c'est juste, juste le personnage, bon, voilà quoi. Mais en tout cas, c'est pas vraiment. Bah, c'est un petit détail à prendre en compte, mais c'est pas ça qui va vraiment nous gêner. Dans les scans. Alors, j'ai fait ça. Bah, si je fais ça, je peux plus faire ça. Je sais plus. Je ne sais plus. Ah, si, je crois qu'il y a toujours rien au. J'ai. Ah, ouais, tu vois, si. Alors, attends. Peut-être ça, et je pense que je vais juste après pour. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est que je me suis fait avoir. Bon, moi, on a trouvé tous les coffres. Je me suis fait gruger. Parce que. Voilà. J'aurais dû repousser. Voilà. Cette pierre-là. Comme ça, je peux partir en diagonale. Et je suis tranquille. On va récupérer l'or, même si ça sert pas grand chose pour ce personnage, je pense. Et on peut récupérer du coup le petit chapeau. Chapeau festif, si je me trompe pas. Ah, l'anniversaire. Oh, j'étais pas long. J'étais pas long. Ok, ça nous remet là. Sinon, ce que je peux dire de plus, bon, bah voilà, je pense que c'est tout bien pour Skylanders Pure Aventure.
Donc voilà, donc comme je le rappelle, niveau vidéo, bon, ce sera en temps et en heure selon mes disponibilités de pour tourner les vidéos, à savoir que je suis plutôt pas mal pris en semaine. Ça peut être compliqué, le week-end, bon bah c'est pas forcément le temps que je peux faire. Bon, vraiment, on avisera au courant des moments. Mais en tout cas, j'espère au moins de faire peut-être 3 vidéos par mois de Spyro's Adventure. Voilà, en mode let's play dans le temps. J'aime pas trop rusher spécialement le jeu, mais bon, on verra bien. Je voulais pas, parce que je suis sur mon PC portable. Bon, ça va, il m'a sorti un peu de batterie. C'est plutôt pas mal. C'est ça le problème d'avoir des PC gamers, c'est que ça tient pas la batterie. Et j'ai un peu la flemme d'aller chercher le... Comment dire, le... Ben, mon chargeur qui se trouve sous le bureau. Ok, bon bah voilà l'histoire du canon, ça c'est. Ça, ça a pas changé du monde. Et on peut aller sauver Kali. Alors, un truc qui pourrait se faire qui est assez con, c'est que. Bah là, d'accord, Kali peut pas s'enfuir avec. avec la porte devant elle. Mais bon, on en parle que la zone est. Littéralement ouverte derrière, donc on aurait pu tellement passer par au-dessus, gruger tout le monde, parce que là on parle quand même de 4 coffres ici. Alors après il y a le, c'est vrai qu'il y a le canon éventuellement qui pourrait gêner, mais en mode douce sans faire de bruit. Alors c'est ça que je disais, c'est qu'en fait pour récupérer le trésor légendaire il aurait fallu passer par l'autre côté, et bon j'ai un peu la flemme de refaire le niveau entièrement juste pour ça, donc je pense pas on le refaire. Voilà, c'est simple. Hein. Voilà, vous tirez. Alors, bien sûr, simple. Au moment où on apprend à viser, ça c'est pas mal. Et bah, du coup, voilà, on peut éventuellement récupérer Kali. Sauver Kali nous-mêmes. Bien sûr, Flynn va dire oui, bon, c'est moi qui l'ai sauvé, c'est moi qui ai fait tout le travail. Alors que lui, il est resté dans les airs tout le temps. Skylander, non ? C'est incroyable ! J'ai été sauvé par un Skylander ! Eh, Flynn, il nous fait des sacrés créneaux avec son montgolfière. Et par moi aussi, j'ai aidé. Quoi, aérostadie. Flynn, aérostadie. Je savais même pas que ça avait un grade. Une compétence aérostadie. Ok, bon bah, je le saurai pour la prochaine fois. Je serai moins bête. Wesh. One Shell, je sais pas comment il fait. Bien sûr, les moutons. Ça va faire plaisir à Ego. Et on repart du coup au hub. Voilà. Bien sûr, direct. Arrière, monstre. Boum. Ah, il a arraché. Un morceau de tournesol, non, je dirais. Je me rappelais même plus qu'il y avait des tournesols. Incroyable. Que tu te trompes, Kali. On dirait de bons gros pulls sympathiques. Ouais, chaque mais mouton peut cacher un chip clip. Pour ceux qui ont un petit peu vu les mes premiers rediffs de live sur Trap Team, premier niveau, chip clip. Voilà. En fait, c'est le Skylander qui a secouru. Voilà, enfin quelqu'un qui dit la vérité. Flynn, il m'a juste transporté, c'est juste le taxi des Skylanders, Flynn. Je l'ai jamais vu se battre dans le premier niveau. Bien entendu, lui, il va dire, ah, c'est grâce à moi que... Voilà. Bon, je parle. Les personnages parlent. Quand ils l'ont construit. Mais je croyais que c'était toi qui avais bâti le cœur de lumière. Oui et non. Oui, je l'ai dit. Et non, ce n'est pas moi. Oh, Hugo serait un menteur. Pour repousser les forces des ténèbres. Enfin, bâtir un nouveau cœur de c'est peut-être pas lui qui l'a construit, c'est les anciens. Sa tentative pour dominer les Skylands. On pourra alors s'occuper de ces morts. Mais en tout cas, c'est lui qui gérait, hein, je pense, la maintenance du cœur de lumière, parce que voilà, c'est comme machinerie, on va dire. C'est de la magie dedans.
devrait nous aider à découvrir où sont les sources éternelles dont nous avons... Alors ça, on le fera du coup dans le prochain épisode. Là, je profite de faire ça, parce que voilà. Comme ça, on peut invoquer les petites flammes bleues, ça fait très plaisir. Bon, les amis, je pense que au bout de... Combien de temps ? À 40 minutes de vidéo, c'est quand même pas mal. Voilà, on aura fait du coup chapitre 1, chapitre 2 de Scanner Spyro's Adventure. Voilà, franchement, enfin, je vous fais du Spyro's Adventure. Ça fait pas mal de temps que quelques membres de la chaîne me demandent de faire du Spyro's Adventure. À chaque fois, je disais que pour l'instant, c'est pas possible. Pas les moyens, peut-être pas financiers, mais matériels pour le faire. Mais au jour d'aujourd'hui, bah, vous voyez, en espérant que cette petite vidéo a bien été recordée sur OBS, que tout va bien. En tout cas, moi, pour l'instant, je vois que c'est toujours en stream, c'est toujours en rec, et que le micro est toujours actif. Voilà. En tout cas, j'espère beaucoup que ce premier épisode vous aura plu. Bien entendu, c'est à la fois une première vidéo test aussi, pour moi, voir un petit peu, essayer de recalibrer un peu l'image et tout. Bon, en tout cas, de ce que je vois là actuellement, bah, c'est plutôt pas mal, ça. C'est vraiment... ça reste propre, quand même. Ça manque peut-être un peu de couleur, c'est vrai. Ouais, c'est peut-être il manque un peu peut-être de couleur. Après, je sais pas si c'est mon écran de PC qui fait ça, ou c'est le record. Peut-être qu'il y aura un petit peu de colorimétrie à remettre derrière. Mais bon, pour un premier épisode test, je pense qu'on aura largement de quoi faire pour ce premier niveau. Bon, en tout cas, les amis, j'espère énormément que ce premier épisode de Spyro's Adventure vous aura plu. Nous, on se retrouve prochainement, du coup, pour l'épisode 2 de Scanner Spyro's Adventure sur 360. Et si vous avez, bien entendu, des questions, des aides aussi, ça peut être pas mal, ou des préférences sur des scanners à utiliser pour les prochains épisodes, tant que c'est en concordance avec le niveau à faire, voilà, les portes élémentaires et tout ça, eh bien, je suis tout de suite pour vos propositions. En tout cas, j'espère beaucoup, encore une fois, que ça vous plaira, ce petit let's play. Et nous, on se retrouve prochainement pour la suite. Allez, salut tout le monde.